d'ajouter ça. Pour faire un crescendo. Crescendo, oui. Et après, voilà. C'est ça, oui. Il est déçu par Franck parce qu'il préfère quand toute l'orgue est utilisée. Ah oui, ah d'accord. Et bien que Franck, d'accord, oui. Oui, mais he was a dreamer. He non, was not precise non. In his. C'est ma femme qui le dit. Madame Jewel Play. Mais non, je le dis parce oui. Que Franck, je sais qu'il ne jouait pas précisément sa musique. C'est Marcel Dupré qui me l'a dit. Oui. Oui, est-ce que je continue maintenant? Il ne faisait pas trop attention aux légumes oui. Et tout ça, parce qu'il était même. Il jouait pour son plaisir. C'est ça. Alors le choral, très, comment dirais-je, solennel. Very solemn. Thank you.
Avez-vous des questions à me poser sur le... Ce qui est merveilleux dans ce choral, c'est que pendant tout le choral, il se prépare quelque chose qui éclate à la fin. What is wonderful about this choral, it is something is going all the time which explodes at the end. C'est ça qui est merveilleux. That is what is very oui. beautiful. Généralement, dans un choral varié, on expose le choral au début et les variations ensuite. In general, the Dans un choral varié, on expose le choral au début. You expose the choral is exposed right at the beginning. Then you have the variation. Et ensuite les variations. Then after the variation. Ici c'est le contraire. Here it's the opposite. Les variations d'abord. First you have the variation. Et le choral à la fin. C'est ça. C'est magnifique. Magnifique. Comme conception. La conception, n'est-ce pas, de l'œuvre est magnifique. It is. Parce que pendant tout le choral, on attend quelque chose. On attend quelque chose qui se produit à la fin. All the time during it, you wait for something which finally is exposed at the end. Avez-vous des questions à me poser sur des questions de mouvement ou d'interprétation? Interpretation and movement? Non. I would like to know if the phrasing in the original Durand edition is authentically Franz, and if we may vary from that. Which one? The original. L'original. L'original, c'est ça. Yeah. Voilà, l'original. If the phrasing is authentically Franz. Est-ce que c'est authentique avec comme Franck l'avait écrit? Oui, parce que ça a été édité. Yes, it du was, temps d'après le manuscrit de Franck. This one ceci. Was edited ça. From his manuscript. Oui. Therefore, it is the phrase and everything is. Is it possible to vary from that phrasing where it is not indicated specifically? Est-ce que vous pouvez faire des variations quand ce n'est pas indiqué? Variation de timbre, de jeu. Variation sur les sur la phrase, sur le phrasé. Est-ce qu'on peut faire des variations de phrasé? Quand ce n'est pas indiqué, si ce n'est pas ah indiqué. Bah l'interprétation n'est jamais indiquée. He said that the interpretation is never indicated. Le rubato, non? Le toucher. Ah, le toucher. Oui. Bah, le toucher. Non. Le toucher est en fonction de la registration et du caractère de la musique. Premièrement, de la registration et ensuite du caractère de la musique. First, it is the registration, then the character of oui. the music. Par exemple, si vous jouez avec la voix humaine. Oh. Il faut un toucher extrêmement legato, les doigts collant, enfin s'appliquant sur les touches. With this, with this vox humana, you have to have to cling to it with your finger, and instead it has to be very legato. Mais si vous jouez par exemple, c'est un carillon, ça. Ce sont des cloches. It's like the bells. Oui. The chimes. Alors ici, évidemment, nous avons le choral très majestueux. Alors, il voulait savoir si c'était possible, si c'était d'accord de faire ce, autrement dire, de se servir de lui-même. Est-ce qu'il peut y mettre un peu de lui-même dans l'expression, dans le phrasé? Est-ce qu'il doit interpréter le phrasé comme il veut, ou bien essayer de se rapprocher de la tradition? Je pense que le choral
Le choral doit être joué avec une certaine retenue d'expression, avec une certaine grandeur. C'est comme ça. C'est la même chose. Non rubato. At that point, would you break? Would you break off? Est-ce que vous coupez? Ah oui, je comprends. Je comprends. Vous êtes arrêté. Oui, je comprends votre question. La question des liaisons. Oui. Oui. The phrasing. Oui. Respirer. Simplement le soprano. Simplement, only soprano. Parce que ce serait trop sec. It would be cut to dry. Ce serait trop sec. Alors, en somme, dis-le exactement ce que tu fais. Tu coupes le soprano, mais tu lis la scène. Oui, le soprano only. The soprano only, and the other one still has the phrasing. Mais tu sépares les phrases quand même. Alors maintenant. Maintenant, il faut évidemment constater que dans une phrase mélodique, il peut y avoir deux périodes dont la seconde répond à la première. In the phrasing of it, there might be two periods, two points, when one answers the other. Première période. Here's the first one. Réponse. Then here's the answer. Bon, ici, une autre phrase. Comprenez? Alors là, je coupe. Oui. Il voudrait que vous jouiez votre musique. Ça m'est difficile de vous parler de ma musique. C'est très difficile. It's going to be very difficult to speak of his own music. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Est-ce que tu sais ce que tu veux dans un musique? Alors, qu'est-ce que je pourrais... Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Est-ce qu'ils veulent retrouver une œuvre d'intervenir? Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? They want to know what Monsieur Durfley wants to know. What you want to know? And also, do you want to hear something from yesterday and discuss that? Question de... Yeah. Ah. How did you arrive at the tomb on the name of Allaire? Oh, that is an interesting point. We found out. This is fascinating. Comment? May we tell you? Yeah. Just how they arrive at the tomb Allaire in France. Mr. Durfley. Oh, Mr. Durfley. Ah, oui, Alain. Put it out for us on a napkin. You go through the letters A, B, C, D, E, F, G, H. Ah, il explique aussi. And the B, of course, is the same as in German, B flat. But the H is B natural, in case some of you don't speak German or French or Irish. Then, then you start over again with the alphabet. Il est en train d'expliquer G, you start over again. You go three times through plus a couple letters. So you pick out the names from that. So A up to H, G, so you put three rows of letters to the alphabet. And then you pick out the name letters from those intervals. A, B, C, D, E, F, G, H, E, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, L. Mais c'est une convention. Oui. C'est une convention particulière. Except for BACH, oui. Parce que BACH était sur les pianos autrefois. Oui, c'est mais ça ne s'est arrêté que A, B, C, D, E, F, G, H. Non. Ah, oui, A, B, C, D, E, F, G, H. Ah. Et puis ça se finit. Finish. Yeah, B is B natural. Oui. Is this pre-Schoenberg or... When did this come? C'est avant. Before, avant Schoenberg.
avant Schoenberg. Is this a French system? Est-ce que c'est français, la même façon? Non, je crois qu'il y en a d'autres qui ont fait des... Tu sais, on a fait sur le nom de... No, there are others who have Aiden, done it. Foreign. Aiden, Foreign, so... Yes. And of course, on the name Bach, Bihar, Schumann, and qui a fait sur Liszt. But this is so much better. You can write tunes to your favorite people. Bon. Alors, qu'est-ce que je... Quelle est la question de mon mari? What do they want to hear from the... Are there other questions, or is there work you'd like to hear? Ah, monsieur. Can we hear the Sicilian and Toccata prayer suite? Prelude, but la toccata. Je n'aime pas beaucoup la toccata. He don't like it. He don't like it. He don't like. He doesn't like it. Toccata. Les thèmes ne sont pas bons. Les thèmes ne sont pas bons. Il y a quelqu'un qui aimerait avoir le prélude. Oui, les thèmes ne sont pas bons. Oh. Bah, qu'est-ce que tu veux? Ah oui. Ah, le prélude du déclinateur. Oh, c'est la mouche de pied dans les doigts, quoi.